understated approach of China to developments in the Middle East, on which China is extremely dependent in terms of energy imports. Research that has been developed up to now in this network and others. Disagreement and where we still need to refine things. I think it's a great example is who isn't an Atlantic player or an Atlantic power. And interestingly enough, With two members of the Atlantic Future Research Team, Emiliano Alessandri from the Transatlantic Foundation, the German Marshall Fund branch. To be able to play, but I will try to be very brief in my presentation and focus on the main points about our project. The other main point that I make in connection with this one is that we may, on the contrary, at the same time see more collaboration. Can afford not to think, sorry, about the Pacific, right? And the last one, and it has to do with this project, is also epistemic communities. Groups of people who have, whether it's shipping business, or it's environmental issues, or it's development cooperation, who have incorporated this dimension into the way they think the world. As a unit of analysis, I think, honestly, if we were just doing social science, I would suggest to drop it. We have lunch, and then in the afternoon we have the other, so we have two work packages working in the morning, and the other two work packages working in the afternoon. The afternoon is also where the members of the advisory, scientific and advisory board meet, for the first time, and we're going to give you a more organized overview because you're getting bits here and there, but you don't get the whole picture, so hopefully that's what we'll be giving you this afternoon. And then the steering committee will meet, where we will need at least one participant per center. What we have done in the past and why this is much more value-added for our efforts, and I'm going to try to give a sense then as to the difficulties we've had, both in the actual visual mapping efforts that we've been doing at Hawkins in relation to this project, and the methods that I've used in mapping the Atlantic in my own work. And when I say mapping the Atlantic here, I mean conceptually, data-wise, to come up with the interesting perspectives. And this project is it's beautiful for our efforts because it allows us to actually come up with much more high-quality visual representations of this. Previous mapping efforts we've engaged at Johns Hopkins have been, and you can see them on our website, and I just haven't had enough time on the run to put them up in a coherent presentation here. They're flat maps of the world, but they're focused on in the center of the Atlantic Basin. And they have produced, so far, what they had produced were flow maps of a range of different flows, some in the energy realm, the oil flows, volumes of oil flows, so those arrows that are colored and bigger or smaller, depending on the flow. Je suis très heureux d'accueillir nos invités au nom de HEM et de son centre de recherche, le CESEM, ici, dans ce beau lieu, la Bibliothèque nationale. Je remercie encore une fois les gens de la Bibliothèque nationale de nous accueillir. Ce qui nous réunit aujourd'hui est le thème de l'espace atlantique et le monde arabe. Mais vous allez me permettre, avant de commencer la conférence, de vous dire deux mots sur ce qui a rendu possible cette conférence. Donc nous avons un cas concret à partir du Maroc qui matérialise ce lien entre le monde arabe et l'espace atlantique. Donc je tenais à le souligner. Écoutez, ça c'est une question qui me met hors de moi, parce que dans toutes les conférences en Europe, c'est la question classique. Y a-t-il un monde arabe ?
c'est la confusion entre l'unité politique du monde arabe. Il y a un sentiment identitaire fort qu'on retrouve du Maroc jusqu'en Irak. Est-ce qu'il y a une Amérique latine? Qu'est-ce qui fait l'Amérique latine? Hein? Mais pourtant, on parle constamment de l'Amérique latine. Mais on parle de l'Amérique latine. D'ailleurs, il y a un sommet qui s'est tenu dernièrement qui s'appelle le sommet ibéro-latino-américain. Il y a un sommet qu'organise l'Union européenne chaque année avec l'Amérique latine. Il y a un sommet de l'Union européenne avec l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est une unité politique? Non. Mais il y a un continent qui s'appelle Africa. Il n'y a pas un sommet Europe-Monde arabe sous le fallacieux prétexte que le monde arabe, c'est une coquille vide, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et vous faites fi de ce sentiment identitaire très fort qu'on éprouve. La preuve, c'est que lorsque, en tant que Palestinien, je suis au Maroc, je me sens chez moi, comme je me sens chez moi ailleurs dans d'autres pays arabes. C'est ce sentiment que beaucoup d'Européens ont tendance à oublier. Donc, ça me permet de dire que la monnaie, ce qu'on vend par la monnaie, c'est de la confiance. La monnaie, ce n'est rien d'autre que de la confiance. Mais comment bâtir cette confiance? Je voudrais revenir sur le pacte de Quincy. Beaucoup d'entre nous savent ce que c'est que Quincy. C'était un porte-avions qui s'est arrêté au large de l'Arabie saoudite et qui a permis de construire ce fameux pacte entre Roosevelt et les Saouds, qui est le pacte sur le contrôle des hydrocarbures. Alors, les gens concluent que ce qui était important là-dedans, c'était de s'accaparer des richesses du sous-sol de l'Arabie saoudite. Ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est que c'était dans l'optique de quelque chose qui a été un échec en 1929, qui était une certaine forme de maîtrise du monde, disons une certaine forme d'oligarchisation du monde, par le contrôle monétaire du développement de l'oligarchisation, j'y reviendrai. Et cet échec s'était manifesté tout simplement par la monétisation de l'or, et la démonétisation de l'or était quelque chose de compliqué. Et donc la mainmise sur les ressources pétrolières permettait de faire passer la monnaie or à quelque chose qui devenait tout simplement une ressource parmi d'autres. Le pacte de Quincy signifie tout simplement que la confiance allait être basée non pas sur une ressource particulière, mais sur le contrôle autoritaire des ressources les plus rares et celles qui contrôlaient le monde. Et si vous voulez un chiffre, 1434, quand les Portugais dépassent pour la première fois le Cap Bouche-Dour. On a cette tendance à oublier l'Afrique dans l'espace atlantique. En fait, ça commence plutôt vers l'Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est que la découverte de l'Atlantique, au XVe siècle, comme maintenant, je vais expliquer pourquoi, se fait pas par un esprit de mieux connaître l'Atlantique, de connaître ce qui est près de nous, mais en allant à la recherche, au XVe siècle, des Indes, n'est-ce pas, on cherchait la route vers les Indes directes qui ne devrait pas passer par tout ce qui était l'espace continental asiatique. De nos jours, on rêve du Pacifique. Et on sait que c'est là-bas que les choses se passent, qu'il y a la grande croissance, que le monde se fait d'une certaine façon. Et en cherchant ça, on découvre qu'en fait, on est en train d'ignorer tout ce qu'on a près de nous, ou les possibilités qu'on a. Merci beaucoup, Driss, et j'aimerais beaucoup remercier le CESEM et HEM, en particulier Yasmine et Hassan, qui sont là, de leur confiance et de leur amitié dans cette affaire, et dire comment je suis content d'être de nouveau à Rabat et de pouvoir discuter avec vous et de participer à ce projet, qui est un projet magnifique sur l'Atlantique, sur lequel on travaille depuis au moins 20 ans. Et ça n'a jamais beaucoup abouti, espérons que cette fois on aura plus de chances pour que ça aboutisse. On m'a donné un thème un peu compliqué à traiter, le Golfe et les BRICS. On ne sait pas vraiment ce que c'est les BRICS, si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup d'homogénéité dans ce groupe. Mais je vais essayer de traiter, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir et qui concerne l'Atlantique de très proche. Alors il y a deux, trois questions qui sont importantes. Vous avez parlé de Big Data. C'est clair que ça change la manière de coaliser les individus, la manière dont les choses se distribuent, et peut-être que le vrai pouvoir, in fine, c'est là-bas qui sera, c'est pas au niveau des gouvernements. Hein, c'est... Donc ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça une fois qu'on sent que c'est quelque chose de très important? Donc comment est-ce qu'on comprend ce qui s'y passe? Comment est-ce qu'on permet les adaptations? On veut tous du statu quo.
Donc comment est-ce qu'on introduit le changement, la capacité de s'adapter? Comme vous disiez, là aussi, il y avait un bon exemple. On est dans nos flux d'échanges naturels, mais il se passe des choses que les entreprises poussent, que les acteurs économiques anticipent et que, sur lesquelles on doit essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, pour ma part, je dirais une chose pour terminer. L'espace atlantique est aussi pluriel que le monde arabe, mais je rajouterai une boutade pour répondre à la provocation d'Alfredo. C'est que quand il y a Arab Idol, qui est une émission de stars, de jeunes chanteurs sur le monde arabe, c'est le record absolu qui est le record absolu au niveau de l'audimat, ce qui veut dire que c'est peut-être le monde arabe est peut-être une société de spectacle. Merci.